Bonjour, donc je suis Marie Loradjé, je suis la directrice du château de la Roche-Guyon. Bonjour, je m'appelle Cyril, je suis régisseur adjoint au château de la Roche-Guyon. Je vous emmène découvrir l'accès du réservoir et rejoindre Caroline qui nous apportera quelques informations. Sur la partie gauche, on peut apercevoir la tuyauterie qui alimentait en eau le château. C'est un château vraiment très particulier parce que les premières traces de château, les premières traces écrites datent du 9e siècle. Et puis ensuite, le donjon a été érigé au 12e. Ensuite, il y a une période plutôt faste aussi au Moyen-Âge où là, on construit un château en bas, plus bas, au bord de la Seine, en taillant la falaise. Et puis surtout, le grand siècle du château de la Roche-Guyon, c'est le 18e siècle, avec le duc Alexandre et sa fille, la duchesse d'Anville, qui mènent de grands travaux d'agrandissement et d'embellissement. Et puis l'histoire va jusqu'au 20e siècle, puisqu'il aura été le QG de Rommel en 1944. On aime dire que ce château, il y a 1000 ans d'histoire, effectivement, et puis en plus, il s'étage de la colline, du haut de la falaise à la Seine. Et donc ça lui fait toute une géographie, tout un environnement très particulier. Les habitants du village, mais aussi du territoire, sont très très attachés au château. Et quand on croise des gens ici, ils nous racontent tous que quand ils étaient jeunes gens, ils allaient comme ça dans les bois autour du château, dans les souterrains, parce qu'il y a beaucoup d'espaces troglodytes et le château en a beaucoup. Ici, on est dans un des souterrains du château de la Roche-Guyon. Avec juste là l'accès au réservoir. Donc l'objectif de la campagne que nous lançons, c'est de pouvoir accéder au réservoir depuis cet endroit. Donc il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Il faut imaginer une espèce de piscine au milieu de la falaise. Et donc ça fait partie des travaux qui ont été faits au XVIIIe siècle. Et ça n'a jamais été ouvert au public. Donc ce serait vraiment un élément très très important pour la compréhension du château et pour les visiteurs. Donc, nous vous remercions pour votre participation à la campagne et espérons que le réservoir puisse être ouvert pour vous le faire visiter. Écoutez, là, vous avez l'occasion d'en connaître, de découvrir encore des choses sur le château, sur son histoire, et notamment sur cette question de la gestion de l'eau. Ceux qui connaissent le jardin anglais savent qu'il y avait une grande cascade, mais voilà, l'eau, elle venait de ce réservoir. Aidez-nous à ouvrir cet espace pour en savoir toujours plus sur le château.